Salut tout le monde, c'est Nemco et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Song of the Spirit of the Island. Pardon, ça faisait longtemps que je m'étais pas trompé entre les deux. J'ai peut-être pas de véhicule, c'est pour ça qu'il me permet pas. Non, j'ai plus de véhicule. Mince alors. Voyons voir nos poules avant toute chose. Elles survivent. Oula, ça a mis un peu de temps à charger, dis donc. Les vaches aussi. Alors, il vient de se passer une mise à jour. Une grosse mise à jour dans laquelle l'histoire principale est apparemment terminée. Ce qui est plutôt bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir enfin commencer à s'intéresser à ça. De mémoire, je crois aussi que les véhicules... Du moins les véhicules... il nous faut moins d'essence, je crois, maintenant, tout simplement, pour pouvoir remplir nos voyages. Ou alors c'est prévu pour les prochains, je sais plus. Mais si je me rappelle bien, il y a une histoire dans le genre où on en a moins besoin d'essence. Les choses peuvent se stacker aussi maintenant, donc les kits de réparation, les bidons d'essence, tout ça. Ce qui n'était clairement pas le cas avant. Et ce qui fait que ça nous prend aussi moins de place dans l'inventaire. Il y a deux, trois autres choses aussi qui sont améliorées. Je ne vais pas vous donner la liste complète des changements. Vous pouvez la trouver sur le Discord qui a été posté. Et qui est dans la description de la vidéo. Alors, notre objectif, c'est quand même toujours d'atteindre les 40 000 dollars pour pouvoir avoir notre nouveau bateau. Parce que même s'ils ont changé peut-être la quantité d'essence nécessaire, il nous en faut toujours un petit peu. Ils n'ont pas encore ajouté, par contre, la possibilité de déplacer les bâtiments, mais ça doit apparaître dans un patch qui tombe la semaine prochaine, si j'ai bien compris, ou en tout cas dans la mise à jour de la semaine prochaine. Il y a plus de trésors, donc on devrait avoir aussi un peu plus de choses à l'intérieur d'ici. Ça, ça nous donne plus d'infos, découvrir notre histoire. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous met? Et alors, on a les épées que j'ai posées, les émeraudes, les rubis, les diamants, tout ça. Ah, donc il y a une dizaine de trésors en plus, je crois, par rapport à avant. Il n'y a personne ici. C'est flippant quand même qu'il n'y ait personne dans ce musée. Il pourrait y avoir un gars qui dorme, peut-être à l'étage. Petite maison avec, je ne sais pas. Mais au moins, pas juste rien du tout. Donc, bien entendu, les PNJ ne peuvent toujours pas travailler pour nous dans la... Enfin... Donc, ce n'est pas encore ajouté. Je crois que c'est sur la mise à jour... Enfin, sur le... C'est censé être sur juin que ça devrait être débloqué. Ça fait partie de la roadmap, en tout cas. Voyons voir ce que ça nous a changé. J'ai 5 de carburant, ça, c'est pas très grave. La montagne des sangliers, elle coûte 15, d'accord. Par contre, l'affaiblissement, ça coûte plus. Ok, donc chacune coûte plus ou moins. D'accord, donc maintenant, ça veut dire que je peux quasiment... Ouh, on a beaucoup plus d'îles qu'avant. Il n'y a que l'île des 6 que je peux pas atteindre. Hein, toutes les autres, sinon oui. Eh ben, on fait le plein. On a de la flotte. J'ai de la bouffe sur moi. Allez, on voyage. On voyage, tant pis. Les ruines éternelles. Première fois que nous débarquons sur une autre île que les trois premières. Soyons prêts. Soyons prêts, on n'a absolument rien sur nous, mais soyons prêts. Alors, petite île. On est ici, là il y a l'air d'avoir quelque chose, ou c'est juste un nuage. Et elle a l'air plutôt en longueur. Ou du moins en hauteur. Ok, il y a déjà quelque chose à tuer par là. Qu'est-ce que c'est? Un zombie? Oh, il est mignon. Un chasse-mort. Temple. Il reste à distance en plus. Des eaux infectées, des pièces. Il nous donne de la thune. Il a plus de portée que moi. Des morceaux de carte au trésor, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas l'air de voir de ressources que je n'ai jamais vues. Ah, un petit peu de pomme, ça c'est bien. Du miel, c'est très bien aussi. On m'a dit que le miel rapportait beaucoup apparemment. Hop. Ça va moi la ruche. Ah, il m'a empoisonné. Mince. c'est un antidote que j'ai ici. Je crois que c'est l'antidote. C'était pas l'antidote, c'est un élixir. Donc, mauvaise utilisation de l'élixir au mauvais moment. Et à cause de ça, je ne peux pas courir. Tu n'as pas soif. Mais tu manges si je te le dis. Et tu bois si je te le dis. Contournons par la plage. En attendant... Il y a souvent des noix de coco, mais je crois que les noix de coco, elles donnent juste à boire. Elles donnent qu'à boire. Elles donnent pas à manger. Toi, je peux te taper. Je peux pas te taper. Ah, je peux monter ici.
Est-ce que ça donne des ressources différentes de d'habitude? Des graines, très bien, des graines de blé surtout. Ça tombe bien, je crois que j'en avais besoin de pas mal des graines de blé. C'était pas ça qu'on avait dit qu'il nous fallait la dernière fois qu'on s'était intéressé à l'agriculture. D'ailleurs, on avait dit qu'on s'intéresserait à la pêche, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas pour aujourd'hui. Je respecte mes promesses. J'ai pas dit quand, j'ai pas dit où, j'ai pas dit avec qui, mais j'ai dit que je le ferai. C'est vrai que la pêche, je sais pas, elle a pas l'air de... Ça a l'air d'être juste un truc en plus pour faire de la bouffe, alors peut-être que c'est hyper worth it pour la thune. Ouh, beaucoup de sucre. Et toi, t'es quoi? Est-ce que tu viens de quelque chose en particulier? D'accord. Ok, ils dépopent pas. Pourquoi pas? Ils sont deux. Ok, un petit peu d'os, très bien. Je sais pas si c'est censé être des pirates. Il n'y a pas de raison que les pirates soient des chasse-morts. Ouh, il était résistant lui. Trophée de football. Du football, 2000$. Ok. Par contre, j'ai du mal à me repérer, donc j'ai peur de faire plusieurs fois le même endroit. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus intelligent et plus logique. Quoi, je ne sais pas. Faut pas me poser ces questions. Alors, ça c'est bon. Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. On arrive sur la plage au nord. Très bien. Donc il y a encore pas mal de cuivre qui traîne partout. Je sais pas ce qu'ils ont avec le cuivre, hein, mais... D'ailleurs, ça on peut toujours fabriquer, ça on ne peut toujours pas, je pense. Kit de campement, j'ai toujours pas débloqué. Ah si, je peux monter ici. Ouh, il y a une grotte. Il y a une grotte, elle a pas l'air en très bon état la grotte, hein. Elle a un petit peu empoisonnée. Ou radioactive au choix. Et il spot de loin quand même, hein. Il a plus de portée que moi, c'est dégueulasse. Eh! Pourquoi je t'ai pas fait mal? Pourquoi je récupère plus d'endurance? Ah, parce que j'avais plus d'endurance. Comme j'avais plus d'endurance, je pouvais plus le taper. Comme j'avais plus d'endurance, je pouvais plus me reposer. Ouais, esquive. Mince. Ouh, un trophée de chasseur cette fois-ci. Alors, seuls les meilleurs chasseurs des tribus anciennes pouvaient gagner un tel trophée. Ou alors celui qui tuait les tribus anciennes. Voilà. Si vous voulez des trophées, des récompenses, n'hésitez surtout pas. Vous exterminez les ethnies locales. Comme si on était américain, mon gars. Voilà. Hop. Ouh, il y a deux pommes là-dessus. Eh ben dis donc, c'est jour de fête. Ouh, je vois du miel. Mais j'ai pas envie d'être empoisonné encore. Déjà que j'ai plus beaucoup d'énergie. On va faire un petit peu gaffe. C'est quoi? C'est ça d'ailleurs que je vais utiliser? Morceau de... Ouh, morceau de ruche. 600$. Peut-être que j'aurais dû couper l'arbre et pas la ruche. Je fais juste un peu gaffe par contre parce que ma fatigue est un petit peu haute. Je peux pas monter? Oh non. Je suis peut-être arrivé au bout. Oui, je suis arrivé au bout ici. Donc il reste plus que la grotte. Mais aller dans la grotte sans énergie, ça va être embêtant. Par contre, ce qui est bien, enfin bien, on s'entend. Oh, on voit même la fumée qui bouge sur la minimap. C'est pas mal. Oula. Découverte d'un nouveau lieu. Grotte engloutie. Ouh là 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 là. Et en plus, ça empoisonne. C'est pas une bonne idée. Oui, puis j'aurais pu poser quand même tout ce que j'avais sur moi aussi. Toi, t'es quoi? De la gelée. Et je peux avoir de la toile d'araignée aussi, c'est ça? Oh, ça rapporte beaucoup d'eau. 42 soif, ça rapporte, d'accord. La terre, je vais en avoir peut-être besoin. La résine, j'en ai beaucoup pour ce que j'en utilise. Soie d'araignée, des pièces. Encore de la soie d'araignée, d'accord. Il y a beaucoup d'araignées, on dirait. Ça veut dire que je vais beaucoup mourir, moi. Ouh, ça se récolte. Oh, ça fait trop le minerai qu'on peut récolter. Par contre, je vois pas du tout où je vais. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Les devs, faut vraiment que vous fassiez quelque chose là-dessus. Je suis désolé de le dire, mais ça donne pas envie quand t'as l'impression que tu vas tomber, que tu vas mourir. Oh! Petit détour. T'as pas eu le temps de faire grand-chose, hein, l'araignée, là. Ouh, exploration plus 4 points. Ah.
J'ai plus de place, plus de place, plus de place. Morceau de carte au trésor, non, on détruit pas. Par contre, le sucre, oui. Des éclats jaunes, ça se pète pas. Ça, il m'aurait fallu une clé, un passe-partout. Oula! Attendez, l'araignée est ancienne, elle m'a one-shot, là? Elle m'a one-shot? Me dites pas que j'ai perdu mon avant. Ouf. D'accord, bon. Sauvage l'araignée. Vraiment très sauvage. Les pommes, je te pose là, j'ai pas besoin de toi en plus. Toi pour l'instant, je sais pas quoi tu vas me servir, toi non plus. Je pose tout ce que je peux. Les éclats jaunes, je crois avoir vu ça quelque part, les éclats jaunes. Mais c'est vrai que je sais plus trop où. Des clous, d'accord, 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 des éclats jaunes. Un éclat rare qui peut être utilisé pour créer différents types d'objets et de matériaux. Alors, peut-être dans les armures. Ou dans les armes. Ah mince, j'ai pas réactivé, pardon. Si je veux récupérer de la thune, faut peut-être aussi que j'ai de quoi. Éclat jaune. Donc là, j'ai l'armure antique. Il me faudrait un des deux là, quand même. Hein. Pierre antique, éclat blanc, éclat rouge, éclat bleu. Est-ce que j'ai récupéré le seul éclat qui sert à rien? Sérieux? Oh, quelle chance, dis donc. Ouh là là, que je suis chanceux. Je récupère encore une fois la seule chose qui ne sert à rien. Félicitations. Tu t'es encore surpassé, Nenko. Et les trophées, par contre, est-ce que je peux les poser ou je peux les poser que là-bas? Peut-être que là-bas. C'est pas grave. Où c'est que j'ai encore un petit peu de place? Un petit peu de place pour poser peut-être justement tout ça. La farine, je peux poser dans le frigo. Morceau de ruche, voilà. C'était le morceau de ruche peut-être sur lequel on va essayer. Ça doit être ici, une ruche. J'ai assez, il me faut des clous et des planches de bois de qualité. Alors, des clous j'en ai. Et des planches de bois de qualité j'en ai. Et donc, je peux poser ma première ruche qui se pose juste comme ça. Et ben, je vais te mettre là. Et vous êtes gentilles ou méchantes? Elles ont l'air gentilles, elles. Merci pour la pluie, ça me fait économiser un petit peu d'huile. T'achètes quelque chose, mon grand? S'ennuie. Inspection de l'objet. Bah, si ça te plaît pas, mes objets, tu peux dégager aussi. Ah, ils sont deux. Super. Ah, c'est dommage que ce soit après que j'ai pété tout ça, que tout d'un coup, on me dise... Non, mais il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin, vous allez pouvoir déplacer les trucs vous-même. 490$. Ok. Les poules. Les poules, elles ont peut-être un petit peu soif. Je vais leur donner à boire. Par contre, ça fait maintenant que je suis vachement loin pour le soin. Bon, et on a découvert une première île. Ça fait 16 épisodes qu'on n'a pas dû aller sur une autre île, je pense. Mais maintenant, c'est réglé. Alors, il leur faut de la bouffe à elle. Nourriture pour animaux, nourriture pour animaux. Donc, les graines pour vous. Je les ai peut-être utilisées un petit peu trop tôt. Les vaches, on part pas, s'il vous plaît. Vous restez là. Nickel. Parfait. Et pareil, j'en ai plus. Ah, j'ai un villageois qui est parti sans rien acheter. C'est pas grave, j'ai buté toute la famille. Ah, ah, il y en a un par contre, lui, il veut acheter. Qu'est-ce que vous voulez acheter, monsieur? Dites-moi que vous achetez beaucoup. Du cuir. Pourquoi pas? Ça s'achète, hein, ça s'achète, je dis pas le contraire. J'ai pas vu si les tarifs avaient été à nouveau réévalués, rebougés, j'ai pas suivi, je vous avoue. Je vais être honnête, je n'ai pas suivi. Des morceaux de ruche, j'en ai encore, sachant qu'il y a une ruche qui est en bas, je crois. Donc ça pourrait m'en faire une deuxième. Parce que ça, ça pousse au fur et à mesure. Par contre, je sais pas si ça pousse vite ou pas. Si je me trompe pas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'était peut-être ça le plus intelligent. Couper l'arbre. Plutôt que taper dans la ruche et se faire défoncer la gueule par la ruche. Allez Roger, t'achètes quelque chose là. Je le sais que t'achètes quelque chose, on le sait tous.
Ah non, je peux pas le mettre. Oh, il rentre pas. C'est pas grave, un petit peu décalé, ça ira très bien. Ça c'est bon, maintenant je voulais refaire un petit peu de bouffe. Ouh, poussière d'os. Pour créer de la colle. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été rajoutées là. Il y a des cadeaux en plus. Tout ça n'a pas changé. Ça on est bon. Ouh, kit de campement. Ah bah si, je suis mauvaise foi. On peut faire de la nourriture maintenant. 8 morceaux de tissu et de la corde. Ok, les... ça c'était bon. Son en fer. Celui-là, il sert que au lait. Ok. Les grains, c'est du blé, des pommes, des fibres. Et ça, des fibres et de la corde. Très bien, ça, j'en pourrais en fabriquer un petit peu plus. Machette, dynamite, toujours les outils en or. La canne à pêche de qualité, le passe-partout que je peux pas encore faire. Et les cadeaux. Donc ça, pas vraiment de changement. Ça, je peux rien faire. Mes éclats jaunes, ils me servent à quoi? J'ai l'épée d'or, l'épée maîtresse, c'est du cuir de troll foncé. Je pense que ça va être le cuir qui doit être juste en dessous. Ici, pas plus de déco. Les animaux, c'est les aquariums. Le vélo, je peux en fabriquer un peut-être, si tout va bien. Pas de changement ici, pas de changement là. Pas de changement là-dedans non plus. L'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé. Je pourrais faire la machine à fromage, mais j'ai pas de lait. Le meunier, je l'ai. Par contre, je pourrais peut-être faire la stalle de traite. Avec 5 de corde. On va faire une stalle de traite. Je vais la mettre juste à côté. Ça paraît plus logique. Et comment ça fonctionne? Il me faut un seau. Ouh, la vache, elle va attendre là-bas. Elle est si gentille que ça, la petite vache. Là, je te mets en 7. Comment ça se passe? Oh, elle attend à la stalle de traite. Elle veut se faire traire. Venez ici, les vaches. On vient là. Ouh, un seau de lait. Et il me faut plusieurs seaux, en fait. D'accord. Comment je fais un seau? Qu'est-ce qu'il me faut? Vite. Deux lingots de fer. J'en ai. Ah mince, il y a Roger qui veut acheter quelque chose. Roger, attends. Pars pas. Reste là. Hop. Oui, bah dégage, Roger. Franchement, Roger, si c'était pour me faire ça, t'avais autant de rien acheter. Je fais deux sauts. Vite avant que les vaches, elles partent. Je te vois, toi, qui les deux là qui sont cachés là derrière le stand. Je vous vois sur la minimap. Ne croyez pas. Il n'y a pas un truc qui demandait du lait. Donc tout se fait qu'avec de l'eau là-dedans. Ok. Jus sucré, les oranges. Bah, j'ai toujours pas de fruits qui poussent. Traire nos vaches. Allez les petites vaches, on vient par ici. Ah, les seaux par contre ne se stack pas. Oui, bah j'en ai un. Les seaux en lait non plus ne se stack pas. Donc toutes les vaches sont... Elles sont heureuses, elles donnent du cuir, elles donnent du lait. Bon. Peut-être pas ce qu'on aurait préféré, mais pourquoi pas. Le lait Hispérim. Hispérim. 4 jours. Et qu'est-ce que je peux faire avec du lait? Hormis des gâteaux. Ah. Ouh, une jarre de lait. Eh ben, je vais en faire une. Pour le principe. J'ai récupéré mon seau en fer. Et qu'est-ce que c'était d'autre? Une bouteille vide. Ah, ça me coûte une bouteille. Ça, je suis moins fan si ça me coûte une bouteille. Faut que je sois honnête. Des oignons, j'en ai pas. Du maïs, j'en ai pas non plus. Je sais pas où le trouver, d'ailleurs, le maïs, encore. Oh, j'en fabrique deux avec un seul. Très bien. Je peux faire de la crème glacée avec 3 jarres de lait. D'accord, donc les jarres de lait me permettent de faire les repas en fait. Ça se vend, mais j'imagine que c'est pas le plus rentable. Qu'on a récupéré les seaux de fer. J'aimerais bien que ça se stack quand même. Hein. Je vais pas pleurer non plus parce que ça se stack pas, mais. C'est-à-dire que si j'avais plus de vaches, je sais pas comment je ferais. Si j'avais trop de vaches. Salade aux fruits, non. Y a rien que je peux faire avec du lait déjà. Repas chaud. Crevettes, j'en ai pas. Citrouille, j'en ai pas. Farine, j'en ai. Carottes, ail, oignon, j'ai pas.
Pommes de terre, farine. Ça, je dois avoir ça. Ah, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Et c'est dommage parce que pour le coup, j'avais les ingrédients. Niveau 2, j'ai pas. Ah, il faut que je remonte mon niveau. On en est où sur la cuisine? À chaque fois que j'appuie sur échappe pour aller sur le menu, mais en fait, ça sert à rien là-dedans. Cuisine. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Je suis pas loin, mais c'est vrai que comme au final, je stocke un peu tout. Toi, je pose. Toi, je pose. Toi, je pose. Il y a rien que je peux faire avec des fraises et des salades aux fruits. Il me faut des raisins. J'en ai pas encore trouvé. Betterave, laitue, œuf, tomate. Betterave. J'en ai pas. D'accord. C'est pas grave, ça tient encore un petit peu. Je vais aller dormir pour récupérer peut-être un peu de vie. 52%, donc demain matin ça sera bon au réveil. On va même dormir juste 2 heures, comme ça les œufs sont finis, je récupère les œufs. Plus 12 d'expérience de cuisine. Pas trop ça qui va me changer ma vie. Le morceau de miel, j'en ai pas besoin tout de suite. Le cuir, je peux aller le revendre dans la boutique. Ça nous a coûté cher tout ce qu'on vient de faire. Non. Toi, par contre, je te vends. Donc, qu'est-ce que j'ai? 1400, 740 et 2500. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas mauvais non plus. Par contre, j'aimerais bien refaire un vélo. Il me faudra 5 paquets de vis, 5 pièces mécaniques et 10 de Chatterton. Ah, j'ai plus de Chatterton. C'est possible, hein, c'est possible. On dépense quand même pas mal de choses en ce moment. Des coffres un peu plus grands, ça pourrait être bien aussi. Ça, je prends, ça aussi. Je vois pas pourquoi c'était posé là-bas. Ça va pas là. J'ai perdu ces ressources-là. Et des coffres. J'ai pas des coffres plus grands. Non, le coffre en fer, c'est déjà le coffre de niveau 3. Ok. Bah, il va me falloir de la graisse, je crois que j'en ai ici, pour me faire du Chatterton. Je vais avoir besoin aussi peut-être de... De quoi d'autre j'ai besoin? De fibres de plantes. Fibres de plantes, je vais en avoir en bas. Non, voilà. Donc, Chatterton, j'en fais 40. Parce que ça va me coûter cher. De l'huile, j'ai pas de bouteille, il faut que je boive. Juste pour faire une huile. Après, c'est vrai que l'huile, mine de rien, ça peut me permettre de monter mon niveau en cuisine très rapidement. Parce que j'ai de la graisse. Faut juste que j'arrive à boire. Parce que c'est 2 d'expérience. Je peux m'en servir pour remplir ça. Pour remplir ça, pardon. Mais je peux m'en servir aussi pour pouvoir me faire des trucs de carburant. Donc si je me fais des trucs de carburant, j'ai avoir un petit stock. Et derrière, bah, j'aurai l'huile. Et les niveaux en cuisine. Et je suis pas plus bête que les autres, hein. Faut pas croire, hein, mon gars. Hein. Petite sieste de 2 heures. On récupère un petit peu de vie, pas grand-chose, mais un petit peu. Est-ce que ce repas me redonne de la satiété? Je crois pas. Je pense pas. Ici, ça pourrit pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tout ce qui est dedans ne me permet pas de faire quelque chose en particulier. La petite salade, c'est très mignon, mais poussière d'os. Ah, les poussières d'os me permettent de faire des antidotes avec des feuilles médicinales. Eh ben, c'est très bien ça. Ils sont où les os? Ça, c'est les os. Non, je peux faire de la poussière, on a dit. T'es où? Ici. 72. Très bien. Le vélo, qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Il me fait le Chatterton et les pièces mécaniques. Et si je regarde ici, il faut que je garde 5 de fer. Ah, c'est tout ce que j'ai. Et bah, on va retourner aller en chercher. On va retourner dans la grotte, pardon, pour aller en chercher. C'est mieux quand je fais des phrases complètes. Peut-être penser à allumer la torche aussi. Je sais pas pourquoi. Ah, elle a peut-être disparu quand je suis mort. Oh, elle a disparu ici. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas les miner.
Et donc c'est pour ça, je pense que j'ai l'impression que tous les cailloux ont repop. Ce qui m'arrange, parce que c'est vrai que là, j'étais un petit peu en déche de fer. Donc si toi, repop, que peut-être le don... Ah, ils ont peut-être poursuivi le donjon, d'ailleurs. De toute façon, là, je vais avoir des antidotes. Il faudrait que je me concentre à aller buter des trolls pour pouvoir peut-être me faire une meilleure armure. Parce que là, elle m'a éclaté la tête, hein, l'araignée. Donc je vais sur quelle île? Je vais sur la deuxième ou la troisième? Je vais vous laisser décider dans les commentaires, c'est vous qui choisissez sur quelle île on va après. Justement pour pouvoir s'améliorer. Soit on continue à visiter toutes les îles jusqu'à trouver les pirates. Soit on va sur une île peut-être pour avoir un peu un meilleur stuff. Donc c'est votre décision. Donc si on fait n'importe quoi, pour une fois, ça sera votre faute, pas de la mienne. Parce que c'est toujours ma faute, hein, je vous vois dans les commentaires. Oh Nemco, à cause de toi, tu es mort, à cause de toi, les villageois, ils ont plus de touristes, tu as mis des taxes trop hautes, ta politique commerciale assassine les commerçants. Ah non, ça peut pas toujours être de ma faute. Donc cette fois, ça sera vous. Voilà. Petit peu de grâce, c'est gentil. Franchement, les cailloux de cuivre... Enfin, de cuivre et de pierre, pardon. Je trouve qu'ils sont inutiles parce que je récupère du cuivre ailleurs. Électronique, à mon avis, je serai niveau 5 quand j'aurai fini de faire tous les composants qu'il me faut. D'ailleurs, au niveau... Social, on n'est toujours pas dedans. Pêche non plus. On est meilleur en social qu'en pêche quand même. Exploration, on va bientôt avoir le niveau 3. Agriculture, on se rapproche du niveau 5. Donc normalement, c'est là où on va débloquer les choses qui pourraient être intéressantes mais qui sont pas encore débloquées. Donc les machines agricoles, tout ça. Ça a un peu changé l'emplacement du décor là où c'était comme ça. Je me rappelle pas de ce gros caillou. J'aurais dû prendre du café avec moi. Ça ne se pète toujours pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu de petits changements quand même. Hein. Ah, il est 6h, 5h du matin. Ouh, il est un peu plus tôt. Dans ma tête, c'était à 6h qu'ils débarquaient les gens. 5h, ça fait tôt quand même. Hein. C'est-à-dire qu'à 5h du matin, t'es déjà devant ta... Devant ta boutique là pour leur vendre des choses aux pigeons, aux touristes. Ouais, vraiment c'est tôt. Oui, bon, je sais pas ce que tu veux que je récupère en même temps. Bon, j'ai des graines sur moi. J'ai un peu de minerai de fer. Je veux juste me dire que j'ai rasé toute cette partie de la grotte. Et comme ça, il me restera plus que la deuxième à aller voir. Quoique, je peux même faire les deux directement. Ah non, parce qu'il y a un petit passage, je crois, en bas aussi. Dans lequel on va pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a un petit passage. Trop de cailloux. J'ai l'impression qu'elle a un peu changé, hein. Ou alors, c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis pas venu dedans. Avec toutes les ressources qui ont repop, et c'est pour ça que ça me donne cette notion. Non! Mais non! Mais pourquoi? Ah. J'allais me suicider, je pense. C'était... Non, non, ça a changé là. Là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça a changé. Oui, bon, par contre, mettre la chauve-souris ou deux chauves-souris à l'endroit où on peut rien voir, c'est vraiment pas la bonne idée, ça, Roger. Le miel là, si je le garde, purée, j'aurais dû partir avec moins de trucs sur moi. Je vais même pas boire parce que si je bois, je perds ma bouteille. Et ça coûte cher les bouteilles. Donc j'espère que c'était pas du stuff important qu'elle a lâché. J'ai l'impression que c'est un peu plus haut ici. Ok, on est arrivé au bout. Donc c'est toujours une zone qui ne sert pas à grand chose hormis se fighter contre deux chauves-souris. À moins qu'il y ait quelque chose plus bas encore. Et que j'ai pas découvert le petit passage secret. Ouh, il y en a une troisième. Qui m'a foutu un coup d'ailleurs. Tu crois que j'ai l'air passé à récupérer ma vie là depuis que la grosse araignée elle m'a défoncé? Araignée de malade que c'était. Je suis encore sur les fesses. Ah, ça c'est la deuxième zone. Juste voir un petit coup rapidement si la deuxième zone a beaucoup bougé.
Non, il y a toujours Super Ninja Sombre Fantôme de Feu là. Oh, deux choses que je n'ai pas. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas. On va déposer tout le bois, de la gelée. Donc la gelée, ça c'est pareil, je m'en branle. Et une peau ancienne. Il n'y a encore rien ici, d'accord. Ouais, c'est un truc de feu, par contre, il me donne que de la merde. Je me suis dit, il va peut-être me donner un éclat rouge. Est-ce que ça veut dire que la grotte qui est à côté du village, par contre, détient des choses qu'elle ne détenait pas avant? C'est une très bonne question. En tout cas, sur ce, on se fait sur la fin de l'épisode. On va miner ces derniers petits cailloux. Et je ferai le trajet jusqu'à notre domicile avec toute notre petite récolte ici, histoire de refaire le plein de bonnes choses. Et je pourrais toujours pas faire, par contre, de diamants, de choses dans le genre, parce qu'on n'a toujours pas trouvé ce qu'il fallait. La poussière de fantôme, je crois. Mais je sais toujours pas où c'est. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde.